Si vous entendez un espèce de petit cochon qui agonise in the background, hein, vous-même vous savez, oui, j'ai un petit cochon. Et il est toujours aussi fan de son œuf, hein, je lui ai acheté au moment de Pâques. 3 semaines plus tard, il est très fan. Il veut pas lâcher cet œuf. On dirait que c'est lui qui l'a pondu, hein, vraiment, il l'aime trop. Un bibou ! Oui, t'aimes trop ton œuf ! Oui, d'accord. Il y a mon trépied qui est cassé, la 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 la. Tout comme mon envie de filmer, la la la. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog, oui. Je suis pas présentable et regardez, you know what it means. Les Anglais vont débarquer. Oh, regarde, non mais regardez la constellation. Et en plus, ils sont sous la peau, donc ils font très très mal et ils sont très très moches. Voilà, comme moi. Coucou. Mais c'est pas grave, j'ai mis mon petit t-shirt de printemps. Le ciel est bleu, le soleil brille, mon chien est avec son œuf, il est happy. J'ai remarqué que oui, c'est vrai, j'aime pas l'été. Enfin, en fait, je suis un peu dure avec l'été et le printemps. C'est vrai que j'aime pas trop parce que oui, tous les soirs, je me tape des grosses crises d'asthme. Et je suis là... Et j'en peux plus à cause du pollen. Et j'ai le nez qui coule et j'en ai marre. Et oui, l'été il y a les moustiques et il fait chaud et les cacao et c'est pas un temps pour les gros, hein. Oui, oui, parce que je supporte pas. N'empêche que je suis comme tout le monde, de toute façon, est-ce que j'ai déjà été originale dans ma vie? Non. Quand le soleil brille, tout le monde est excited et donc moi je suis excited avec tout le monde, je suis en mode ouh, il y a du soleil. Alors qu'en vrai je transpire ma vie, j'en peux plus. Ça me fait encore plus de boutons quand il fait chaud en plus, donc c'est encore pire. Les moustiques et tout, enfin bref, je vis ma pire vie, mais je suis quand même là, ouh, il y a du soleil. Il y a même pas de nana, genre je suis désolée, c'est, je pourrais être consolée s'il y avait des nanas, mais non, rien du tout, il y a rien, rien, rien. Bref, je galère quand même avec la chaleur, mais c'est pas grave, ça me rend happy, donc du coup ça me motive un peu. C'était The Talk About The Weather, je suis Louis Baudin, votre nouvelle Miss Météo avec un peu plus de cheveux. Quoique. Mais bref, ça suffit de parler des saisons et de... On s'en fiche. Bonsoir, comment allez-vous? Il me semble que je vous ai pas montré que j'avais reçu ce livre. Je l'ai unboxé sur Instagram, mais donc c'est un livre qui va sortir, qui sera sorti le temps que je vais mettre le vlog en ligne. Donc c'est La carte des confins de Marie Repelin. Replin. Trop désolée de si j'écorche ton nom de famille. C'est une bookstagrammeuse en fait, c'est la bookstagrammeuse Muffins and Books qui a écrit ce livre, et quand je l'ai vu sur le catalogue de PKJ, je me suis dit... Oui. Je veux mon neveu. Parce que déjà, regardez la couverture, elle est magnifique. Et j'aime trop les couvertures un petit peu illustrées comme ça, où on a des personnages. Et bref, c'est une femme pirate, elle a l'air trop badass, elle a l'air trop belle, je... Oui. Et donc, vous l'aurez deviné, c'est un livre qui parle de pirates. Hein. C'est cette jeune femme qui s'appelle Kali, qui est une voleuse hors pair et qui est une femme pirate. Elle est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Notre personnage masculin qui s'appelle Blake, qui est lui aussi un pirate et qui rêve d'aller aux confins et de trouver cette carte, etc. Et donc il va se rapprocher de Kali parce que c'est elle qui a trouvé la boussole qui permettrait de trouver la carte, vous avez compris. Et donc ils vont se rapprocher et tous les deux essayer d'aller aux confins, donc de trouver cette carte et d'aller dans ce nouveau monde. Et apparemment c'est des pirates badass. L'autrice a même dit que la romance était très présente dans le livre, donc quand elle a dit ça, elle disait: je vous préviens si jamais vous aimez pas trop la romance, dans mon livre il y a beaucoup de romance et tout. Et j'étais là: comment ça, si jamais on n'aime pas la romance? Qui n'aime pas la romance? Personne. C'est trop bien, je kiffe, j'ai trop hâte. Donc, ah là là, j'ai trop hâte, une romantessie. Et donc, j'ai reçu ça de la part de PKJ et avec, on avait un petit coffret. À l'intérieur, on avait ce petit marque-page, une petite dédicace de la part de l'autrice, des petits goodies rapport avec la piraterie, avec une petite boussole et tout, c'était trop mimes. Et puis, j'ai reçu ma commande, alors ça, c'est, j'ai acheté de moi à moi, comment me remercier. J'ai commandé sur Fairy Loot, en fait, les nouvelles éditions de Une Braise sous la cendre, parce qu'en fait la saga est terminée et Fairy Loot ont fait des éditions spéciales en hardback et tout, et quand je les ai vues j'étais là: c'est beau quand même, oui c'est cher mais c'est beau. Et est-ce que ça va m'apporter de la sérotonine? Oui. Donc du coup est-ce que j'achète? Oui. Il me semble que, en plus les couvertures elles ont été refaites 40 000 fois, donc je suis contente d'avoir celles qui matchent. Attention, accrochez-vous à vos petits slips. Chaque fois que je dis slip ça me fait penser à Séverine de Il est bien ce livre, et franchement c'est de sa faute à elle, hein. Elle a fait de sa marque de fabrique le slip, maintenant à chaque fois qu'on dit slip on pense à elle. C'est comme ça. Accrochez-vous à vos slibards. C'est trop beau, pardon, excusez-moi, mais des spray d'Ages avec un pochoir, oui, ils ont mis un petit pochoir par-dessus et donc ça fait ça. Après, les pages, elles sont jaunes. Il y a un art print dedans. Oui, bonsoir, bonjour, merci. Regardez, ça brille de mille feux, les personnages ont l'air trop badass. Oui, voilà, oui.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Genre le livre, il est tellement beau, je sais plus. J'ai plus les mots. Est-ce que ça c'est le tome 2 ou 3, j'en sais rien, mais regardez, j'ai aussi ce tome là. Je les ai tous en fait. Donc voilà, les couvertures et le match et... Pardon. C'est trop beau. Ah là là. Voilà. A Touch Against the Night. Il me semble que ça c'est le tome 2. Donc le tome 2, il me semble que ça c'est le tome 3. Et le tome 4 c'est... A Sky Beyond the Storm. Et donc il est là. Ils sont pas du tout dans l'ordre, mais vous avez compris qu'ils étaient magnifiques. Et donc voilà, j'ai reçu mes petits hardbacks. Et il y a que le dernier qui est signé, mais c'est pas grave, j'ai quand même le petit gribouillis de sa bataillère quand même pour le dernier. Regardez le petit gribouillis, je suis trop happy. Voilà. C'était cher, mais ça m'a rendu happy. Donc voilà pour ce que vous avez loupé, ce What You Missed on Glee. À part ça, je suis énervée et je vais me moucher du coup. Ça fait au moins 4 vlogs d'affilée, donc 4 semaines d'affilée que je suis en mode... Je suis en train d'arrêter mon traitement et donc du coup ça va pas du tout. Et genre j'en ai marre. Je vais vous faire ça pendant un an. Mais oui, toujours en train d'arrêter mon traitement. Enfin, ça fait une semaine là que j'en prends plus du tout. Je suis hyper énervée. J'ai failli provoquer un drama toute seule. Et j'ai encore envie de le provoquer. Ça fait genre 4 jours que je suis dessus. Je suis à ça vraiment de provoquer un drama parce que je suis trop énervée. Et bref, il y a quelqu'un en particulier qui m'énerve. Et je m'énerve toute seule et ça fait 4 jours que je suis là. Alors que normalement je suis pas comme ça. C'est parce que j'ai arrêté mes antidépresseurs. Mais bref, ça fait 4 jours que je suis énervée là-dessus. Merci à Achille Rototo. Ça fait plusieurs fois que cette personne me fait des trucs comme ça et que je suis énervée et que je dis rien et que après c'est bon, au bout d'un jour j'ai oublié. Mais là ça fait 4 jours et j'ai trop envie de hurler alors que c'est pas normal, vous voyez. Je vois que c'est à cause de mes cachets. Je me retiens parce que après si je crée un drama et que après mon cerveau redevient normal, je vais être là, purée, pourquoi j'ai fait ça. J'ai du mal. Et en plus j'ai choisi cette période pour monter une vidéo qui dure 40 milliards d'années. J'en peux plus. Mais bref, je vais retourner à ça parce que j'ai toujours pas fini de la monter. Hein. On est au jour 5. C'est le jour 5. Je compte même plus en heures. Quand je suis arrivée à 8 heures de travail, j'étais là, ouais bon, ça fait 8 heures que je suis sur cette vidéo. Et après, on passait au jour d'après, donc j'ai dit ça fait 2 jours. Et enfin bref, là, ça fait 5 jours. Et ça se verra même pas que j'y ai passé 5 jours, mais j'y ai passé 5 jours. Donc là, je vais continuer et je vais enfin la mettre en ligne parce que 5 jours, ça suffit. Je vais faire les ongles parce que ça fait 107 ans et là, je suis en train de regarder des vidéos de Elsa Makeup. Et ça faisait trop longtemps que j'avais pas regardé ses vidéos et je l'aime trop. Elle est trop mimes et à chaque fois, elle fait des jolis ongles et donc j'ai envie de mettre du vernis à cause d'elle. Et enfin, grâce à elle, elle m'a trop motivée, donc voilà. Je me suis fait une petite to-do list à faire aujourd'hui et j'ai retenu que mon vernis, mais faut que je fasse quoi d'autre. Que je mette ma vidéo en ligne. Ah, pourquoi j'ai écrit faire des cookies? Bon, j'ai été trop motivée par Elsa Makeup qui fait aussi des recettes et machin et trucs. Et elle faisait des cookies et j'ai trop eu envie de faire des cookies. Parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais j'ai cru que j'avais de l'énergie en fait. Mais non. Ah, j'ai mis filmer le vlog. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, filmer le vlog, c'est fait. Faire des TikTok. Commencer un livre. Pourquoi j'ai écrit ça? C'était hier à minuit, j'ai cru que j'allais avoir l'énergie pour aujourd'hui, mais vraiment non. Je vais faire mon vernis, je vais poster ma vidéo et ce sera déjà bien. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt dans le métro. Et je sais pas, voilà, bisous.
Salut, bonsoir, je vais filmer des vidéos hein, aujourd'hui, c'est pour ça que... This, j'ai reçu des colis. Ça faisait 107 milliards d'années que... 107 milliards d'années. Il y a mon accent qui ressort. Que j'avais pas reçu de colis. Je sais pas, ça faisait au moins un mois que... Enfin bon, je dis ça, mais vous allez regarder dans mes vlogs, j'ai reçu des colis. Mais avant, j'en recevais beaucoup plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colis qui sont perdus déjà. Et que ma factrice, elle veut pas me donner mes colis. Mais enfin bref, du coup là, j'ai des colis, je suis contente. Ce petit là, ça doit être de la maison d'édition J'ai lu. Parce qu'il y a écrit Flammarion. Donc normalement, c'est J'ai lu. Oui, je sais, c'est pas logique, mais c'est comme ça. J'ai cru que j'allais pas l'avoir. J'ai trop cru que j'allais pas l'avoir. Je faisais mes comptes hier sur mon petit journal. Mon petit journal ici présent. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo journaling sur Patreon si jamais ça vous intéresse au niveau snow. Là, je vous avais même montré en vlog cette page. Et puis après, j'ai 2-3 pages pour les lectures, le book haul, les trucs comme ça. Enfin bref. Pourquoi il aboie, Achille ? Attendez, il a quelque chose, je vais voir. Mais il avait raison. Pardon, je suis soufflée. Il y avait quelqu'un à la porte pour relever le compteur d'eau. Je suis à l'autre bout de la maison et j'entends pas la sonnette de la porte d'entrée. Et heureusement, j'ai Achille. Il hurlait, il était là, comme ça. Oui, il essaye de faire le loup, mais il arrive pas trop. Et bref, il faisait le loup et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Quand il fait comme ça, c'est qu'il a entendu la sonnette. Puis ce coq, j'en veux plus. Si vous entendez le coq des voisins, you know, c'est l'ASMR de cette chaîne. Hein, à ce point-là, si vous entendez Achille, il est toujours pas remis. Il est toujours là, wouh. Alors que le monsieur il est déjà parti à 15 kills. Mais je suis très fière de moi parce que anxiété sociale life, vous savez même pas. Quand je sais que Achille, bon là j'étais maquillée et machin, sauf que du coup je suis descendue. Vous voyez pas parce que je me suis maquillée pour les vidéos, mais du coup en bas je suis en pyjama. Du coup je suis à moitié préparée, à moitié en pyjama, c'est la honte. Mais je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais devant le monsieur, donc c'était un peu trop tard, avec mes petits chaussons lapins. Mais je suis fière de moi d'avoir ouvert la porte parce que vous vous rendez pas compte, quand je sais qu'Achille il aboie comme ça, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je me barricade et je n'ouvre pas. Et j'appelle mes parents et je suis là, il y a quelqu'un à la porte. Et là je suis trop fière de moi, j'ai ouvert la porte et tout, je suis fière de moi, voilà. Comme ça vous savez tout, c'est vraiment un vlog, welcome to my life, hein. Normalement quand on sonne à ma porte, je pleure. Et merci Achille, ma sonnette personnalisée. Mais donc oui, hier j'étais en train de remplir mon petit journal où dessus je mettais les livres qui allaient sortir et tout ça tout ça. Et bref, j'avais noté ce livre là que j'ai reçu de la part de J'ai lu, c'est Déraciné de Naomi Novik. Et en fait ils viennent de sortir, il est là, oui, il est là. Ils viennent de sortir en poche La Fileuse d'Argent, donc c'est le deuxième livre de Naomi Novik. Alors ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est les deux des stand-alone, mais c'est les deux de la même autrice et un petit peu des fantaisies inspirées de mythes russes. Je leur ai demandé La Fileuse d'Argent, je leur ai dit est-ce que c'est possible d'avoir Déraciné aussi peut-être ? On sait jamais. Et il est sorti il y a longtemps celui-là, je m'en souviens, qui était... Ouf, c'est écrit petit. 2015, ouais 2017, donc je me suis dit peut-être par le plus grand des hasards, sur un malentendu on peut conclure et on peut avoir Déraciné. Je suis trop contente et oui je les ai en anglais, oui, vous voulez que j'aille les chercher, oui mais je les voulais en français. Regardez comme c'est beau, ils ont fait la couverture sur les... Ils sont super jolis ces petits poches. Je suis trop contente qu'ils aient gardé la couverture en anglais. Et oui, je vais vous montrer ce que j'ai en anglais. Oui madame, j'ai le coffret de Déraciné et de La Fileuse d'Argent. Et oui, je les ai au hardback avec ces magnifiques couvertures. Vous voyez, ils ont gardé les mêmes. Et ils sont trop beaux. Et oui, là c'est doré et ça brille. Et là c'est argenté et ça brille. Oui, et oui, c'est écrit 10 fois plus gros. Donc ça va être plus facile à lire comme ça que... Oui, regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Oui, oui, je sais. Je les ai achetés sur le site de Illumicrate qui font des box livresques. Et oui, alors oui. Mais c'est des livres, déjà, je les trouve trop beaux. Ensuite, je suis sûre que je vais adorer parce que c'est de la fantasy, c'est des stand-alone. Dernièrement, j'ai lu Sorcery of Thorns qui était un stand-alone fantasy aussi, j'ai adoré. Ça va être ambiance neige, Russie, conte, bref, tout ce que j'aime bien. Et donc, je sais que je vais les adorer. Et j'ai trop envie de les lire. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient en français, j'ai eu envie de les avoir aussi en français. J'ai aucune excuse en fait. Imaginez, genre ça me prend de les lire et je sais pas, on part en vacances. Bon ok, non, il y a une pandémie donc non, ça va pas le faire. Imaginez, j'ai envie de les lire à l'extérieur, genre sur ma terrasse. C'est plus pratique de prendre celui-là que de prendre ça. J'ai aucune excuse. Ça me permet de vous les montrer et de vous dire que voilà, ils sont sortis en français avec ces jolies couvertures en poche. Et voilà, c'est comme ça, vous savez et vous les voyez.
Bref, zéro excuse. Voilà, au suivant. C'est un petit paquet de Pika. Pika édition. Donc c'est... Non, alors c'est pas un manga, c'est un graphique parce qu'il est assez gros. Il me semble que c'est le graphique que je leur ai demandé. Oui, parce que c'est mieux si c'est les trucs que je leur ai demandé, c'est normal. Donc c'est ce graphique là, ça s'appelle L'île entre deux mondes. C'est le tome 1 de Atsuka Ichi. Ah, ça fait plus... Ouais, ça fait un peu manga et BD. Je sais pas dans quel sens ça se lit du coup. Ah oui, dans le sens inverse aussi. Donc c'est manga, mais en beaucoup plus grand qu'un manga. Le livre est énorme, vous voyez, par rapport à un poche, voilà. Mais rien qu'en voyant la couverture, je me suis dit, c'est super beau. Regardez un peu les graphismes, et donc l'histoire, je sais pas du tout, c'est juste, je me suis dit, il est beau. Aoshima, petite île éloignée des îles principales du Japon, caressée par le vent, bercée par les vagues, cette île bleue baigne de lumière. C'est sur un petit professeur qui va être muté sur cette île, et il va se passer des petites choses pas très nettes. Hein. C'est chez Pika Graphique, et le tome 2 vient de sortir aussi, je pense que je vais le recevoir, et donc voilà. Ensuite, une autre maison d'édition, une autre maison d'édition, une nouvelle même maison d'édition, c'est la maison d'édition 404. Si je vous dis ça, peut-être que vous connaissez déjà le livre qui est à l'intérieur. En fait, 404, moi j'avais vu sur la chaîne de Séverine, de Il est bien ce livre, enfin je crois que c'était sur son Instagram, ils avaient envoyé des livres à ses enfants, et en fait c'était des livres escape game. C'est des livres où vous avez des questions à l'intérieur et vous choisissez, par exemple, si vous voulez continuer l'histoire de telle façon, vous allez à la page 106, si vous voulez de telle façon, vous allez à la page 230, enfin vous voyez, vous pouvez choisir en fait votre histoire suivant la manière dont vous répondez aux questions. Donc ils font un petit peu des livres comme ça, et je connaissais cette maison d'édition pour ça, mais en fait ils sortent d'autres livres, dont des livres de fantasy Young Adult. Celui-là, j'ai vu la couverture et j'ai craqué. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. Il est tout glossy glossy. Regardez comme il est beau. Ça brille de mille feux. C'est à miroir. Donc ça s'appelle L'Enragé de Jennifer Tellier. Et c'est de la fantasy Young Adult. Ne fuyez pas votre destin, il finira toujours par vous rattraper. Donc en fait on est dans un royaume de fantasy. Le roi, le petit monsieur, il va mourir et en fait il doit rechercher ses héritiers parce qu'il a deux jumeaux qui sont ses héritiers et qui ont disparu. Et donc pour ça il va engager une fille qui s'appelle, enfin qui est surnommée l'Enragée, pour aller chercher les jumeaux. Et donc elle va partir dans une aventure et je pense découvrir qui sont les jumeaux, tout ça, tout ça. Et ça me fait trop penser à Mia dans Nevernight parce qu'elle a une pire réputation, genre c'est la fille hyper badass qui tue tout le monde. Et donc je sais pas pourquoi ça me fait trop penser. Puis en plus vous voyez l'aspect un peu gothique de la couverture et la fille qui fait un peu peur, vous voyez ce que je veux dire, ça me fait trop penser à Nevernight et à Mia et à une fille badass, et donc du coup j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien cette couverture, je vous jure. Quand je vous dis qu'une couverture ça fait tout, genre j'ai vu ça dans les sorties livresques, que je me suis dit c'est beau. Et encore sur la photo je voyais même pas qu'elle brillait, la couverture, je voyais juste le dessin et tout, je me suis dit mais c'est super beau. Après je me suis dit attendez, 404 éditions, normalement c'est des livres escape game, j'ai juste vérifié si c'était pas un livre escape game ou un truc comme ça, parce que c'est pas non plus trop mon truc, ça me perd mon cerveau en fait. Mais donc j'ai vu que c'en était pas un et je me suis dit mais elle est trop belle la couverture, donc c'est parti mon kiki. Et en ce moment j'ai découvert plein de livres comme ça et de petites maisons d'édition que je connaissais pas avant, mais juste j'ai vu la couverture, je me suis dit c'est magnifique, le travail est superbe, donc je veux mon neveu et j'ai trop envie de le lire. Et franchement je vous dis, une couverture ça fait tout. Le dernier colis c'est cadeau de moi à moi. Merci. Parce que ce livre je le voulais absolument depuis que l'autrice l'a annoncé et on pouvait pas le précommander en fait en papier, et donc du coup j'attendais la sortie avec impatience. Et le jour de la sortie, devinez quoi, j'ai oublié, c'était le 26 je crois, oui il est sorti le 26 avril et je crois que je l'ai commandé le 28 et là on est le 30 et il est arrivé. C'est un livre auto-édité. Suspect. C'est un livre trop beau encore une fois. Il est soft touch. You know, j'aime bien les livres qui brillent, mais qui brillent à fond les ballons, ou qui sont vraiment très glossy glossy, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime bien les livres soft touch, donc... Oh, il est trop beau. Je sais pas pourquoi je regarde dans le paquet voir s'il y a un petit mot de moi, genre des cadeaux. Donc c'est un livre de Amélie, donc Amélie Séastier. Si vous connaissez dans le monde du MM, c'est une autrice indépendante, comme on dit, auto-éditée, qui écrit souvent avec Marie Matthews, donc leur pseudo c'est aussi Marie Rage et Amélie. Et bref, elles écrivent beaucoup de MM. Donc là, Amélie, elle a écrit ce livre toute seule qui s'appelle Salvation, c'est le tome 1, ou Salvation. Quand elle l'a montré sur ses réseaux sociaux, j'étais là, excusez-moi. Pardon ? Excusez-moi, allô ?
quel est mon nom? C'est le même illustrateur qui fait toutes ces couvertures que j'adore à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'il y a un livre qui sort avec cet illustrateur qui a fait la couverture, j'ai envie de lire le livre. Bon, il y a quelques fois, ça s'est mal passé. Vous-même, vous savez. L'illustrateur, c'est Nicolas Jameneau. Son compte Instagram, c'est Nico Jam. Il a fait une illustration de Harry Styles. Il a dessiné Harry Styles avec des étoiles et une lune. Comment vous dire que j'ai vu cette illustration? En fait, je suis allée sur son compte Instagram. J'étais en train de descendre les escaliers chez moi pour aller boire un coup, je sais pas quoi. Et bref, j'ai chu. Voilà, j'ai chu dans les escaliers en voyant son illustration d'Harry Styles. J'ai fait chut. Il l'a pas mise en vente, cette illustration, mais franchement, s'il y a moyen que je puisse me le faire tatouer sur la fesse droite, franchement, call me. Je le fais. C'est lui qui fait les couvertures de livres trop magnifiques. Donc là, il a fait la couverture pour Amélie. C'est lui qui a dessiné, qui a fait l'illustration. Et à chaque fois que je voyais ces couvertures, j'étais ah mais purée, elles sont trop belles. Et je savais que c'était tout le même illustrateur, mais j'arrivais pas à retrouver qui c'était. Et j'ai retrouvé son compte Instagram. Et comme je vous dis, j'ai chu. J'ai mouru. Ça donne trop envie de le lire pour Halloween à cause de ces petites pumpkins. Et de la croix Wiccan un petit peu, et trucs comme ça. Mais je sais pas si je vais pouvoir me retenir jusqu'à Halloween en fait. Il y a un mec qui s'appelle Declan. Il est chasseur de démons, fantômes, vampires, ghouls, etc. Oh, c'est un truc de jumeaux, c'est Declan et Grace. Ça me fait trop penser à Magic de H.F. Gabriel aussi, où il y a des jumeaux qui travaillent dans la même équipe. Lorsque l'ange Ézéchiel débarque dans leur vie, il transporte avec lui une tonne de problèmes. Et tous ne sont pas de l'ordre du surnaturel. Entre Declan et Ézéchiel, une relation étrange va se nouer, déstabilisant le chasseur comme jamais. Ensemble, ils vont se lancer dans une chasse où perdre n'est pas envisageable. S'ils échouent, l'enfer ouvrira ses portes aux êtres les plus obscurs et plongera le monde dans le chaos. À moins qu'il n'y soit déjà. J'ai trop hâte! Magnifique ma chérie, j'ai déjà mis tous mes traces de doigts dessus, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire, je vais peut-être pas le réserver pour Halloween parce que je sais pas si je vais tenir, mais trop hâte. Est-ce qu'il y a des scènes olé olé? C'est comme ça que je fais pour voir s'il y a des scènes olé olé, c'est-à-dire que je feuillete et je vois s'il y a un petit mot qui me saute aux yeux. Il y a au moins une scène de l'olé, j'ai vu un mot en particulier qui m'a... Franchement Amélie, thank you for your service, vraiment elle fait tout ce que j'aime, donc merci beaucoup. Bref, je vais vous laisser tranquille parce que j'ai dit que je filmais des vidéos cet après-midi et qu'est-ce que je fais? Je fangirl sur les trucs que j'ai reçus. Je vais arrêter mon fangirlage parce que là j'ai chaud. J'ai chaud à la nuque, à ne pas confondre, hein, j'ai chaud à la... Je vous retrouve bientôt pour un petit tuple date, j'ai rien lu, je crois pas. Ce coq, je vous jure, je vais lui niquer sa race en fait, c'est pas possible. Et déjà qu'il m'a réveillée à 4h du matin ce matin, j'en ai marre. Bref, je vous laisse, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro. With you, everything has changed, even though we both
the same.